matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Thierry. Merci d'être là, connecté si fidèlement pour nous et partager la parole, prier ensemble. Et dites-moi d'où vous êtes ce matin, le beau pays, la belle ville. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre cette matinale avec ce merveilleux chant, Be Lifted Up. La petite flèche, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. N'oubliez pas de partager en cliquant sur partager les matinales. Et également, vous pouvez vous abonner, la petite clochette également. Juste cliquer dessus, c'est gratuit. On y va ensemble. Be lifted up. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Au-dessus de tout autre nom, chantons honneur à son nom, honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Sois élevé, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, oh oui Seigneur. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là. À chaque fois, à chaque fois, ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, élevé plus haut. Dernière fois ensemble. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé. Le thème de ce matin, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi. On va lire dans 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé
des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Vous savez, dans notre humanité, tellement une humanité tellement centrée sur elle-même, il nous est difficile parfois de lâcher le morceau, n'est-ce pas? Difficile de gérer notre vie sans Dieu et pourtant, quelle preuve de plus avons-nous besoin pour constater que notre monde s'enlise davantage? Notre société s'enlise davantage. Il est en mode autodestruction et il continue de s'aligner pour frapper de plein fouet le même mur. Dieu ne nous a-t-il pas munis d'un cerveau? Oui, mais nous choisissons de le mettre au neutre parfois. Alors, ça prend quoi? Eh bien, ça prend un renouvellement de l'intelligence qui est seulement possible par une action divine, et c'est celle d'ouvrir notre cœur à celui seul qui peut nous faire passer des ténèbres à son extraordinaire lumière, Jésus. Et croyez-moi, c'est bien meilleur qu'un trip de cannabis, bien meilleur qu'un trip de coke, de pornographie ou de sexe hors contrôle ou d'excès de médicaments ou peu importe. Quelqu'un disait, vous êtes loin d'être parfait, mais vous êtes pardonné. La honte, la culpabilité ou la peur ne doivent donc pas faire partie de votre avenir. Comprenons que nous avons tous accès à une nouvelle vie. Nous avons tous accès à un nouveau commencement. Nous avons tous accès à un nouveau départ et sa grâce et sa compassion sont inépuisables. Alors, c'est vraiment essentiel de comprendre que nous sommes qui nous sommes en Jésus-Christ. Qui nous sommes en Jésus-Christ? Alors, qui nous sommes en Jésus-Christ égale, nous ne sommes pas n'importe qui. Alors, il est primordial de réaliser qui nous sommes aux yeux de Dieu. Nous sommes... Oh, il nous aime tellement. Alors, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alors, vous savez quoi? Nous étions sans identité, il nous a donné une identité. Nous étions sans adresse, il nous a donné une adresse. On ne connaît pas, en tout cas, je ne sais pas si c'est le 777, en tout cas, 777 céleste. Alors, vous m'avez déjà entendu dire, nous avons été choisis pour un moment comme celui-ci. Non pas, lorsque je dis ça, non pas comme une élite qui mérite quelque chose, car c'est uniquement à cause de la grâce de Dieu que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Remarquez David, vous lirez justement dans 1 Samuel chapitre 17, on va le lire ici, lorsqu'il a déclaré, avec une confiance inouïe, 1 Samuel 17, 34 à 36, David dit à Saül, j'aime ce texte, ce texte-là, c'est un de mes favoris, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, et je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, et je le frappais, et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin et de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et que j'aime ce texte-là. Ça, c'est un texte de guerrier, ça. Et lorsque nous lisons ceci, nous en déduisons que David était animé de l'Esprit de Dieu pour avoir accompli de tels prodiges. Il a eu, un entraînement à toute épreuve sur le terrain. Et le géant Goliath, pour David, n'était qu'une autre cible à terrasser. Oh, que j'aime ce mot, terrasser. Terrasser, dans le dictionnaire Larousse, veut dire abattre quelqu'un physiquement ou moralement, le priver de toutes ses forces. En hébreu, c'est le mot naka. Naka, qui veut dire mortellement frapper, détruire, conquérir, punir. Oh, Pasteur Steph, ce matin, tu es en mode de guerre. Guerrier, yes, on est appelé à la guerre spirituelle. Alors, rappelons-nous que nous ne sommes pas revêtus de n'importe quel esprit, mais de
l'Esprit de Christ qui vit en nous et qui a la puissance de terrasser Naka, l'ennemi de notre âme. Nous sommes passés de perdant à conquérant, de perdant à vainqueur. Alors aujourd'hui, ne limitons pas de grâce celui qui nous a donné la puissance d'accomplir des exploits. Alors, c'est pour ça. Et écoutez, et vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi pour accomplir ses exploits. C'est pas extraordinaire, ça. Alors, on va prier. On va prier ce matin. Oh, yes. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont pris de découragement et de dépression, d'anxiété, de peur, et pour ceux et celles qui ne voient pas le bout du tunnel. Merci de les visiter maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit, de les rassurer, de les bénir, de les envelopper de ton amour, tes bras d'amour. Merci pour les familles. Merci de les bénir, de les garder sous ton aile. Merci, Seigneur, pour chaque famille qui est connectée ce matin, de les visiter et de leur donner au-delà de leurs attentes, Seigneur. Protège-les, mets un mur de feu autour d'eux. Merci, Seigneur, pour les couples également, afin qu'ils développent une vie de prière ensemble. Merci, Seigneur, que ces couples, chaque couple, ce matin, au son de ma voix, qui sont à l'écoute, puissent saisir cette dimension de prière ensemble. Bénis-les, comble-les, qu'ils reçoivent de toi une double portion de ta présence. Merci, Seigneur, pour ceux et celles qui vivent des combats spirituels, ceux qui ont vécu certains échecs, Seigneur, je prie que tu leur donnes la force de se relever et de continuer le combat de la foi. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les accompagner, de les garder et de les combler également tout au long de cette journée. Merci pour ta fidélité et tes bontés envers eux qui se renouvellent à chaque matin. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Dernière fois. Sois élevé, élevé plus haut, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Oui, sois élevé, Seigneur. Gardez la joie, gardez la paix. Soyez bénis en cette journée. Que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu vous l'a. On est ensemble.